Bien, salut à toutes et à tous, c'est Padre, c'est... Avant que la vidéo démarre, couverture de spécialité de Tonek Ventilo. D'ailleurs, je suis avec une paire de lumière parce que je peux pas ouvrir, parce que le soleil est fait beaucoup trop chaud, et je meurs. Quoi d'autre? Je vais tout de suite vous dire, cet épisode sera l'avant-dernier. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le prochain épisode sera le dernier. Normalement, enfin, normalement, pratiquement sûr en fait. Donc, c'est parti. Donc, j'espère qu'on va avancer assez loin. Enfin, le prochain épisode sera gagné. Sauf si vraiment on est à 3 heures de finir le jeu. Mais je pense pas. Là, on va faire le boss. Et puis, je pense qu'on va pouvoir. Accéder à un endroit pour pouvoir faire en sorte que le prochain épisode ce soit le dernier. C'est pas ce que je voulais. Genre ça me touche 3 heures après. Go! C'était pas ce qu'il y a. C'était... On va dire que c'était pas trop ce qui était prévu. Je m'accroche où? C'est bon là, ça passe. Voilà. Le jour, ça passe. Voilà. Allez, on est parti pour se faire le boss du dernier temple de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. C'est parti. Un petit peu d'émotion. Attendez, je ferme juste un placard. Ne vous en faites pas, je suis toujours là. Je suis là. Oh. Oh. Je parle plutôt de cinématique. Ni. Tiens. Voici de la visite. Kume. Knak. De la visite, en effet, Kotaki. Qui es-tu, jeune imprudent, pour t'introduire dans notre temple, Nek. Une bonne correction. Oh oui, une bonne correction. Nak. Oui, je surjoue légèrement. Esclave, entends-moi. Verbe. Mon verbe est ton or. Tu ce jeune fou, tu. Voilà. Ok, c'est la même chose que les petits qu'on a fait pour venir jusqu'ici. Doucement. Mince. C'est rien, Link. J'ai fait juste un truc. En effet, on a une fée, c'est devant. Ok, on va aller chercher le cœur, c'est
Ok. 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 Oui, va doucement. Ok. Je pense qu'il y aura une deuxième phase. On va essayer de se calmer. On va essayer d'être tranquille. Le poteau est là. Voilà. On va lui laisser une lumière. Il va nous donner de la vie. Donc en fait, je me dis, s'il y a une deuxième phase, je vais garder. L'esquive au bon moment. Ok, on a. C'est donc ok, donc sauf si c'était une première phase. Hein? Quoi? Où suis-je? Tiens, tiens, le charme est brisé, Kume. Ce n'est qu'une jeune fille, mais grande est son influence au sein des Gerudo Kotaki. Elle se doit de servir la noble cause du seigneur Ganondorf. Nick, nick, nick. Utilisons le charme. Une fois encore, knack knack knack. La pauvre. C'est pas fini. C'est pas fini. Moi, ce que je voudrais regarder, c'est est-ce que je peux faire ça? Ça marche pas. Bon, on a peu de vie pour la suite. Mais pour moi, c'est pas du tout fini. Il nous reste encore à nous battre Kume et Kotake. Je pense qu'on va les affronter. Je vous rappelle, finalement jusqu'au bout. Ce mur est trop beau. Excusez-moi. On va vraiment affronter Kume Kotake là-dessus. Quel jeune insensé venir de son propre. J'ai pas eu le temps de finir de lire parce que j'étais en train de me gratter. Souvenez-vous du texte. Elle nous avait dit le souffle des flammes consumera ton âme. Elle nous avait dit de les laisser s'entretaper. Il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. La morsure de la glace purifie, pétrifiera ses vies. Par contre, elle vous flipper. J'ai très peur. Sorcière jumelle. Ok, donc avant, vous allez me dire que c'était pas le combat de boss. Ok. On peut rien faire, on esquive.
ça, j'ai compris. Attendez. Okay. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut vraiment que je fasse. Je comprends pas comment les battre. Kotake, mère spirituelle. Elle est vulnérable au feu, c'est ça. Ok. Parfait, on passe en deuxième phase. Bon, cette fois, il y en a marre. En avant, Kume. Kotake, Kume. Double fusion maléfique. What the fuck? Ok, donc on y va. Quoi? Ok, je peux absorber que le feu. J'ai même pas le temps de faire le tapis. C'est bien que j'arrive à ne pas perdre vite. Est-ce que je vais y aller? C'est que... Pourquoi j'ai pris un dégât? Non. Là-haut. J'ai pris un dégât, ça. J'ai pu... Je pense que je regarderai si tu peux parler. Mais je prends encore un dégât. C'est bon. J'ai... Parfait. On passe en phase 2. En sachant que oui, je vous l'ai pas dit, j'ai récupéré le chef vous avez le chef en fait. Plus en plus j'ai le fait. Voilà, c'est parti. En même temps, ça paraissait trop simple le fait qu'il fallait tout simplement absorber à tout. Non, il faut éviter. Donc là, on prend glace. On évite l'attaque du feu. On évite le petit feu. Ok, glace. Glace, ok. Tac, ok. Ok, je vais te faire. Voilà. Non. Le jeu. Mais le jeu. J'ai pas tout compris tout ce qui vient de se passer là. Bon, on va tenter avec l'arc.
Putain, passe 40 minutes sur ce combat de merde. Plus, est-ce qu'il me suffit de combat? Là, ce pourquoi je rage, enfin, encore, c'est que ça me saoule. C'est pas compliqué. J'arrive à battre le boss, c'est atteindre cette putain de plateforme qui me fait chier. Ok. Voilà. Ok, mon jeu. Ceci dit, j'ai plus 3 flèches, donc bon. Mais pour le prochain, on va y faire la flamme de l'héros. Ok, allez mange. Ok, là c'était rapide. Putain, c'est long. Chaque mois, je suis à la troisième fois. Ok, donc là je pense qu'elle va changer à chaque fois. Elle change à chaque fois. Je suis à peu près là. Donc ici, hop, on esquive. Non, c'est encore la glace. On l'a fait. Qu'est-ce qui va se passer? Je parle pas, j'attends de voir. Quelle petite peste. Cette fois, c'est du sérieux. N'est-ce pas, Kotake? Hein? Hé, Kume, tu as un truc au-dessus de la tête? Regarde, toi aussi, c'est quoi ce machin en rond? On les a tués? Mais je n'ai que 400 voix. Et moi j'en ai que 380. Nous sommes jumelles, tu ne peux... C'est pas faux. Moi je vous laisse lire. Comment c'est bon? Vite fait. Vraiment vite fait. Le quart de cœur. Le quart de cœur. Regardez, là, par contre, pour le quart de cœur, il saute bien, vous savez. Vous êtes prêts? Cinématique. Qui risque d'être assez forte en émotion. C'est parti pour la cinématique du dernier temple.
remercie, gamin, du fond du cœur. Regarde-moi, regarde-moi ça. Le gamin est devenu un grand guerrier. Au fait, excuse-moi de t'avoir attaqué. J'étais sous le contrôle du sorcier et sous les ordres de Ganondorf. Pouah! Toute cette histoire, c'est incroyable, non? Moi, le sage de l'esprit, c'est à mourir de rire. Mais en tant que sage, mon devoir est désormais de combattre. Ma vengeance sera terrible. Gamineux? Non, Link, héros du temps. Je te remets ce médaillon. Le petit bisou sera pour plus tard. Prends-en soin. On n'a pas eu de bisou. Vous recevez le médaillon de l'esprit. Naboru se révèle être l'un des saints et je vous confie son pouvoir. Tu es devenu plus fort. J'aurais dû tenir ma promesse. Fous-y un bisou. Link, le héros. Enfin, les six sages sont éveillés. L'heure est venue pour toi de défier le seigneur du malin. Mais avant de croiser le fer avec le vil Ganondorf, il te reste une personne à rencontrer. Cette personne t'attend au temple du temps. C'est la chose que je veux faire impérativement dans cet épisode. On est parti pour une cinématique qui sont très très importante. C'est parti. Je t'attendais, Link. Link, héros du temps. Tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les six sages. Il ne te reste plus qu'une épreuve, que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certaines choses à te dire, écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la Triforce, connue des Sheikah, le peuple de l'ombre. Toi, quête de sainte, ouais. Je vous laisse faire encore une fois. La force de la CGT, c'est le courage. C'est très important ça.
Il y a 7 ans, Ganondorf utilise la porte que tu as ouverte dans le temple du temps pour voler le Saint-Royaume. Mais en posant la main sur la Triforce, la légende devient réalité. La Triforce s'est brisée en trois parties. Ganondorf possède la Triforce de la Force. Grâce à sa Triforce, il a pu devenir le seigneur du malin. Mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin pour s'approprier les deux parties restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du Courage, c'est toi, Link. Eh ouais! On a une Triforce! Le détenteur de la Triforce de la Sagesse et le septième sage dont le destin est de conduire les autres. De conduire les autres éveils. C'est moi, Zelda, princesse d'Hyrule. Pardonne-moi de t'avoir caché ma véritable identité, mais je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, il y a 7 ans, Ganondorf prit assaut le royaume d'Hyrule. Petit aparté juste pour vous dire, je le savais, bien évidemment c'est connu que... Ok, j'en parlerai après. J'ai vu, en m'enfuyant, le château d'Hyrule. Je savais que te confier l'Ocarina était notre seule chance. En te confiant l'Ocarina, je pensais pouvoir m'empêcher, m'échapper de Ganondorf. En te confiant l'Ocarina, je pensais pouvoir empêcher Ganondorf de voler le Saint-Royaume, mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Après avoir ouvert la porte du temps, l'épée légendaire t'a envoyé dans le Saint-Royaume. Ton esprit s'est endormi dans le Saint-Royaume et Ganondorf a volé ce lieu sacré pour se saisir de la Triforce. Ganondorf est devenu le seigneur du malin et sous son règne de haine, Hyrule s'est transformé en une terre hostile. J'ai pris l'apparence d'un Sheikah en attendant l'éveil de ton esprit pendant 7 longues années. Désormais, et grâce à toi, le règne maléfique de Ganondorf va prendre fin. Ça, je te le garantis, oui. Les 6 sages ouvriront le sceau pour attirer Ganondorf dans le Saint-Royaume. Je fermerai ensuite la porte pour toujours. Ainsi, Ganondorf, le seigneur du malin, disparaîtra d'Hyrule. Link, ton devoir est de me protéger pendant l'exécution de ce plan. Voici une âme qui pourra pénétrer les défenses du seigneur du malin
l'arme sacrée de l'élu, la sainte flèche de lumière. Obtenez la flèche de lumière. La clarté de la justice disparaîtra le malin. Oui, bon, ok, sectionné. Ce coup, c'est... Princesse Zelda, petite cachetière, je te félicite de m'avoir échappé, d'avoir échappé à mes recherches pendant ces temps. Mais tu as baissé ta garde. Et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver. Ma seule erreur fut de sous-estimer sa princesse. Mais sa puissance n'est que misère, sa seule force. Et la triforce du courage, grâce à la triforce de la sagesse, celle de Zelda, deux parties sont en ma possession. Et bientôt, tu me remettras ton fragment et je serai alors le maître du monde. Si tu veux sauver la princesse, viens à la recherche. Viens la chercher au château. Foy. Quel enfoiré. Et ce que je voulais dire, c'est... J'étais au courant de la scène... que Zelda s'échec. C'est super connu. Putain. Même si j'étais au courant, je m'attendais vraiment pas à ça. Waouh. Bon. Il faut aller au château d'Hyrule. J'ai envie de vous dire là où tout a commencé. Pour cette fois. Ouais. Pour cette fois tout finir. Et bien vous savez quoi, sur ce les amis. Je vous donne rendez-vous. Dans 2 jours pour le dernier épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Le prochain épisode risque d'être assez long. Je vais voir si le trop long il sortira peut-être vendredi ou jeudi, on verra, je verrai comment je m'organiserai. Mais quoi qu'il arrive, le prochain épisode sera le dernier. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite et la fin de notre aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour ne surtout pas rater le dernier épisode, c'était Paradox. Bye tout le monde, salut tout le monde, rendez-vous très bientôt pour la fin de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D.